la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Heureux les invités au festin du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole : le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgées. Tout est prêt. Venez au repas de noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allaient sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le dehors, jetez-le pied et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Chers amis, s'ouvre aujourd'hui la semaine missionnaire qui se terminera donc dimanche prochain. Et dimanche prochain, il y aura à la sortie de l'église, comme d'habitude, la quête pour aider les jeunes églises. Il y a encore des pays où il n'y a que 50 ans que l'évangile a été annoncé. Et puis bien d'autres pays, je pense en Chine en particulier, où il y a si peu de chrétiens encore. Donc cet argent servira aux œuvres pontificales missionnaires pour aider ces jeunes églises. Semaine missionnaire, nous allons prier pour cette semaine, pour les missions, là-bas et ici, et aussi avec le synode qui se poursuit sur la famille. Ceux qui ont préparé cette semaine missionnaire 1964-2014 se sont appuyés sur le dernier document du pape intitulé « La joie de l'Évangile ». La joie de l'Évangile, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas des vérités à croire, c'est une expérience. L'expérience que nous avons et que nous faisons, je vous le disais hier soir à vous autres, les jeunes, peu à peu, nous découvrons que l'Évangile nous rend meilleurs.
peu à peu nous découvrons que suivre le Christ nous rend plus humains, plus humaines. La joie de l'Évangile, voilà. C'est se rendre compte, quelquefois c'est difficile, c'est même quelquefois courageux de choisir l'Évangile. Mais au bout du compte, nous nous rendons compte, ça c'est notre expérience, que ça nous fait, ça oriente notre vie, ça donne du sens à la vie. Et la mission, eh bien, c'est d'avoir envie de le dire aux autres, de dire cette expérience, cette joie qui est en nous. C'est, voyez, un acte d'ouverture, un acte de charité, un acte d'amour auprès des autres. En sachant qu'à travers nous, c'est Dieu lui-même qui œuvre, qui donne son esprit à ceux qui, dans le dialogue, cherchent ce qu'il y a de mieux. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous les baptisés, les croyants, pensons que l'Esprit Saint est aussi dans le cœur de l'autre à le travailler. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, il ne s'agit pas de faire du catéchisme en voiture, voilà. Il s'agit de donner envie. Et c'est une présence auprès des autres, dans le dialogue respectueux, mais cette joie qui est en nous doit finalement transpirer. Et c'est ce qui est arrivé à ce disciple du prophète Isaïe, je pense à la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure, qui essaye d'entrevoir l'aboutissement de la volonté de Dieu, donc la fin des temps, et qui se rend compte que mais Dieu aime tout le monde. Ça vient d'une expérience qui a été vécue par un peuple, la moitié du peuple d'Israël avait été déporté à Babylone, comme vous le savez, et ça a duré longtemps, le temps de 2 générations, 40 ans. Mais quand ils sont revenus, là, le retour était très difficile, parce que ceux qui étaient restés au pays n'avaient pas la même mentalité que ceux qui arrivaient. Ceux qui arrivaient avaient compris qu'il y avait des hommes, même s'ils étaient esclaves en Babylonie, ils avaient compris qu'il y avait des gens bien partout, et que finalement notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était pas seulement le Dieu du peuple juif, c'était le Dieu de tous les hommes. Alors, dans sa vision, avez-vous en remarqué que c'est Dieu qui fait tout? Je vous relis les différents verbes qui sont employés. Le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera sur sa montagne. Alors, il faut savoir que la montagne, pour les Juifs, c'est toujours le lieu de la rencontre avec Dieu, le Sinaï en particulier, ou le Tabor. Et Dieu est présent, c'est le lieu de sa présence. Donc Dieu préparera sur sa montagne un festin pour tous les peuples, le Dieu de l'univers. Et puis, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil. Le deuil, c'est de la misère, nos épreuves. Et puis, le Seigneur Dieu fera disparaître la mort pour toujours. C'est bien la pire des épreuves. La pire ennemie de l'homme, la mort. Et puis, le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, sur tous les visages. Et enfin, le Seigneur effacera l'humiliation de son peuple. Ça, il s'agit là du peuple juif. Quelle différence entre l'époque de Salomon, où le royaume d'Israël était réputé, et puis ce moment au VIe siècle, où le peuple a été rendu esclave, et même après le retour de Babylone, c'est toujours la Syrie qui domine. Vous voyez, voilà un message d'espérance qui est donné à un peuple abattu. Et c'est la joie qui est exaltée, parce que ce prophète sait que ce que Dieu promet, il le réalise. Il le réalisera à son heure. Il en est persuadé. C'est son expérience. Et plus tard, après le Christ, saint Paul, saint Jean reprendront cette vision du disciple du prophète Isaïe. Voilà, on ne peut pas être missionnaire, voyez, sans témoigner de la joie de l'Évangile, sans témoigner de notre expérience, de cette joie, de cette espérance que Dieu réalisera ce qu'il a promis. Nous lui faisons confiance. Il n'abandonne pas ceux qui comptent sur lui. Alors, oui, nous pouvons chanter
ce psaume merveilleux, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Et même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon berger, je ne crains aucun mal. Quelle paix, quelle joie d'être sûr de cela. Tous les sacrements que nous avons dans l'Église, les sept sacrements, nous disent tous la même chose, je serai avec toi. Tout à l'heure, je vous dirai, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le corps du Christ, c'est ma nourriture, c'est moi avec vous. Ou quand c'est le pardon, je te pardonne pour que tu ailles, que tu fasses mieux, etc. Alors nous arrivons à l'Évangile où Jésus nous donne une belle image de cette relation personnelle. Une relation que nous avons tous, les uns et les autres, à notre manière, à cultiver, jour après jour. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Alors il y a une deuxième parabole dont je parlerai plus tard, à la fin. Mais d'abord, le royaume des cieux est comparable à Dieu le Père qui organise un festin pour son fils Jésus, un festin de noces. Et qui épouse qui ? L'humanité. L'humanité qu'il est venu sauver par sa passion et sa croix. Tous les hommes de la terre entière. Voilà l'épouse du Christ. Voilà tous les hommes, depuis tant de générations, appelés à être l'épouse du Christ. Et les serviteurs, c'est nous, chers amis. C'est nous, les croyants, chargés d'aller annoncer dans toutes les rues et les ruelles, partout, venez donc aux noces. Vous êtes invités. Venez. C'est notre travail. Alors, quelquefois, les serviteurs sont malmenés. Jésus ne nous le cache pas, et même quelquefois tué. Et 2000 ans d'histoire de l'Église nous le rappellent suffisamment. Quelquefois, parce que nous disons notre foi, parce que nous disons notre manière de voir, eh bien, nous sommes malmenés. Et même vous, les jeunes, ça peut vous arriver aussi. N'ayons pas peur. Que de martyrs aussi. Hier, nous fêtions le pape Jean XXIII. Alors, il n'est pas mort martyr, le pape Jean XXIII, mais... Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle dans ce qu'il a eu à faire. Quand il était nonce à Paris, par exemple, eh bien, il est venu encourager l'évêque de Chartres pour soutenir ce camp de séminaristes au Coudray, ce camp de séminaristes allemands. Ce n'était pas évident à cette époque-là. Courageux, etc. Mais en même temps, vous voyez, la parabole reprend un message de ce disciple d'Isaïe. Tous les peuples, allez partout dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, si après le 17e siècle, quand on a découvert les mondes et su voyager, il y a eu une énorme générosité de la part de nos pays, de vieille chrétienté, pour aller partout, annoncer en Afrique, en Amérique latine, en Inde, en Chine, etc. Aujourd'hui, c'est chez nous aussi. Chez nous aussi. Et vous, les parents et grands-parents, quelquefois, vous pouvez être un petit peu surpris, décontenancés par la vie des plus jeunes. Il y a un mélange de races aujourd'hui, un mélange d'idées, de religions. C'est extraordinaire dans toutes nos familles. Et nous sommes là, témoins de la joie de l'Évangile. Non pas en imposant quoi que ce soit. D'ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, imposer, ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un refus de comprendre. Je le disais dimanche dernier, de comprendre. Et ça, c'est une beauté aujourd'hui, chercher à comprendre. Alors, il y a une deuxième parabole que Matthieu a collée à la première. Comment es-tu entré ici sans avoir revêtu le vêtement de noces ? Bien sûr, nous pensons tout de suite au baptême, avec cette belle phrase que le célébrant, quand il baptise, dit pendant que la marraine remet sur les épaules du baptisé une écharpe blanche, « Tu as revêtu le Christ,
ce vêtement blanc en est le signe. Et pour les plus âgés parmi nous, autrefois, c'était une robe de baptême que l'on donnait autant aux enfants qu'aux garçons qu'aux filles, parce que ça nous rappelait que cette robe de baptême était une petite robe de mariée. Tu es devenue l'épouse du Christ. Voilà. Frère de Jésus, enfant du Père. Eh bien, il y a aussi alors des refus. Des refus. Le peuple juif, dans sa majorité, qui n'a pas voulu croire ce que Jésus disait. Il y a aussi des gens qui ont autre chose à faire. Je pense, et ça nous est dur quand on nous le dit à nous, et à vous aussi. Oh, vous savez, j'ai lâché la pratique religieuse, ou j'ai lâché la prière, je suis tellement pris. Et c'est vrai qu'on est pris, tellement pris. Mais si on n'est plus, si on met plus les choses essentielles au départ de notre vie, le matin en particulier, eh bien, la journée file beaucoup plus vite qu'on le voudrait. Voilà, autre chose à faire, on ne vient pas à cette noce. Et nous qui sommes là ce matin, heureux les invités au repas de noces. Nous sommes les invités. Et nous sommes chargés, chers amis, de l'annoncer, d'aller inviter autour de nous, sans cesse. Tous ceux avec qui nous vivons, ceux que nous rencontrons, en cherchant un vrai dialogue. Un vrai dialogue avec eux. Qu'est-ce qui est important pour eux? Souvent, nous parlons que de la pluie et du beau temps. Essayons d'écouter d'abord pour pouvoir être serviteurs. Serviteurs de cette invitation à tous. Venez au repas de noces.